Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve pour le septième épisode de mon let's play sur Spyro 2. La dernière fois, nous avons fait le niveau Urikos et on a été conduit jusqu'au cachot de cruche. Bah, du coup, c'est parti pour le cachot de cruche, hein? Avant de te conduire au cachot du château, je voulais t'expliquer comment Ripto et ses monstres sont arrivés à Avalar. La semaine dernière, dans la toundra hivernale, le professeur développait une nouvelle technologie de superportail. Voilà, la dernière boule est en place. Voyons maintenant, il faut saisir les coordonnées. Si on entrait 22475, c'est mon anniversaire. Chasseur, non! Quoi? Dégagez! Allez, ouche! Espèce de larve atrophiée! Mais qu'est-ce qui va? Fichu! Une bande. Mais où sommes-nous? Dragon, parfait. Chris, va chercher les valises. On s'installe. Populace, saluez votre nouveau monarque. Professeur, refermez-le. Vite. Mon Dieu, je ne trouve pas l'interrupteur. Mes lunettes doivent être cassées. Chris, traverse le portail, espèce d'idiot. Dis à tes amis d'éparpiller les boules à travers tout Avalar. Vite. Non! Gil, Cruche, attrapez les boules! Vite! Oh! Oh! Oh Dieu, cette petite bestiole, je vais te faire la peau! Décidément, l'avenir d'Avalar n'est pas rose. Chasseur, pourquoi ne l'as-tu pas poursuivi? Ouais... J'allais le faire. Mais il a pas dit quelque chose comme quoi il avait horreur des dragons? Professeur, on pourrait capturer un dragon pour nous aider. Oui, oui, tout à fait. Mais seulement dans un monde avec un alignement mieux adapté à la capture de ces créatures. Par exemple, lueur. Bonne idée. Allons-y tout de suite. Eh ben, on va rentrer dans le cachot de cruche. Bien sûr, faut que ça sauvegarde. Hein. Allez, cruche. Aïe. Ah non! Aou! Ça fait mal, hein! Ah! Non! J'aurais besoin d'un mouton, là! Oup. Ah, mouton, s'il vous plaît. Ah, mais saleté de mouton. Pourquoi tu pars? Oula. Ouais. Ah, bah, il est vraiment cruche, hein, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Un mouton, s'il vous plaît. J'ai intérêt. Whoop. Ah, c'est cool ça. Un petit mouton s'il vous plaît. Ah. Non. Ah bah c'est bête ça. Un mouton. Oula, j'ai intérêt à courir. Aïe, aïe, aïe. Oh, juste avant. Mmh.
Ah, il y en a une qui est devenue bleue. Aïe, aïe, aïe. Ah, il me poursuit maintenant. Yes. J'ai un peu de vie comme ça. Ah, il me suit. Oh. Ah, ça doit faire mal ça. Hey Cruche, t'es mort. T'es mort, Cruche. Bah c'est bête ça, hein. Tu peux pas me vaincre. Cruche a été vaincu. Eh oui. Non, Cruche! Tu as peut-être réussi à vaincre ce minable, mais avec Gulp, ce sera une autre paire de manches. Je t'attends, Nabo. Gulp, amène-toi par ici. Mais avant, fais-le bien souffrir. Quoi? Le plafond? Gulp, sors-moi d'ici. Plus tard, dragon. Oh, quel guignol. Oh. Oh. Cette cruche de Ripto a déjà fait assez de dégâts comme ça. Ces âneries m'ont coûté une fortune. Sans Spyro, je serais ruiné. Si Ripto était là, je ne me gênerais pas pour lui montrer de quel bois je me chauffe. En fait, je lui montrerai comment je m'échauffe. À l'université, j'ai été champion fois coq et je me souviens encore de quelques coups. Tiens, prends ça, et ça. Oh. Ah. Mais non. Pleine automnale. Sauvegarde auto. Hey, nous sommes déjà dans la plaine automnale, les gens. Ouais. Bon. C'est la plaine automnale, quoi. Allez. Oh, une vie, oh, cool. On va faire les petites bouboules. On va rechercher des petites bouboules. Il va nous apprendre à grimper, lui. Allez, tu nous apprends à grimper. Voyons, je parie qu'un riche dragon comme toi n'hésitera pas à débourser quelques joyaux pour apprendre à grimper. Je te demanderai une somme, disons, modique. Modique, ouais, 500 joyaux. Tu ne le regretteras pas. Lorsque tu vois une paroi qui te semble accessible, comme celle à ma gauche, saute dessus et accroche-toi avec tes griffes. Utilise les touches directionnelles pour te déplacer. Et saute pour quitter la paroi. Tu peux aussi sauter de côté vers une autre paroi. Ok. Et eh ben écoute, c'est ce qu'on va faire. S'il y a des trucs intéressants à récupérer. Alors, je crois qu'il faut aller par là. Ça me gratte l'oreille. Voilà. Il y a une petite bouboule qui est cachée. Qui est cachée quelque part ici. Bien sûr. Salut Spyro. J'ai du mal à ouvrir cette porte et je pense que l'énergie de quelques boules pourrait y remédier. Je vois que tu en possèdes une bonne quantité. 8 boules. Ouais, c'est bon.
Oula, non, j'ai pas envie d'aller dans la côte magmatique. Allez. On a combien de joyaux? 118 sur 400. C'est pas mal. Bon. On va aller la voir, cette petite bouboule. Ah, c'était ici. Et voilà. On a le tourbillon magique. Avec plein de bouboules, oui, de bouboules. Avec plein de joyaux. Ah, les joyaux. Les petits joyaux adorés. Ouh. 180. Attention. Ah, on va peut-être aller là avant. Parce qu'il y a des petits joyaux. Oh, je crois. Et il faut aller sur la petite plateforme au fond. Yes. Yes. Ah, je suis tombé. On va aller récupérer les joyaux. Hein. Allez, hop. Je sais pas pillonner trop tard, c'est pour ça. Allez. On va récupérer les petits joyaux. Voilà. Ouh. Ouh. Ça en fait beaucoup. Parce que là, on les a presque tous, les joyaux. Selon la légende, il existe un portail pour accéder à Zéphyr. La légende affirme que je suis capable de l'ouvrir. Si mes souvenirs sont bons, la légende mentionne que je pourrais ouvrir ce portail en échange d'une petite somme d'argent. Ouais. Merci pour les joyaux, Spyro. Avec cet argent, je vais ouvrir un fast-food dans le pays maudit Skellos. Super. Grip s'ouvre. Ah là là. Ah, est-ce qu'il y aura quelques vies? Non, on n'a pas. Bien joué, Spyro. Le pouvoir des boules a activé le tourbillon. Deuxième bouboule. Enfin, on va récupérer la deuxième bouboule. La deuxième bouboule du niveau. Oh, j'ai réussi. Allez, on va... Faut charger, parce que c'est bien caché. Ils sont bien cachés, les boules. Allez, on y est. Presque. Et voilà la deuxième bouboule. Et de 20. Allez. On va récupérer un maximum de joyaux. Cela, Gripsou, il en de... Le Gripsou, ouais. Gros sou, il en demande. Il en demande de plus en plus, là. Ah, c'est vrai. J'ai pas encore mangé en plus. Hein. Ah. Allez. Allez, on vole. Oh, cet épisode est uniquement réservé... Bien sûr, à la collecte de joyaux du niveau. Et nous sommes bientôt à 15 minutes.
Il y en a combien de joyaux? 360. 360 joyaux. Allez. Alors, ça sera pas un épisode très passionnant. Je le confirme. Ah, attendez. Et si on retournait à la forêt d'été pour récupérer la dernière boule et les derniers joyaux? Ce serait cool, non? Normalement, on a le temps. Je mange à 20h. J'ai 6 minutes pour récupérer une boule. Et terminer le niveau. Allez, il reste... Oh, 15 joyaux. Attention. Alors, le seul truc passionnant qu'on ait fait, c'est de combattre Cruche, en fait. Oh, je crois qu'il est ici, le... Ouais, c'est bon. Allez. La bouboule. C'est tout? Il nous en manque plus que 5. Alors, où est-ce qu'ils sont les 5? On a récupéré les 4 bouboules. Peut-être qu'ils sont ici, hein, bien cachés. Oh, une vie. 15 vies. Alors, faut retrouver les joyaux. C'est magnifique. Ah oui, mais c'est vrai. Oh là là. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces joyaux? Si on les trouve pas, on va se quitter là. Les joyaux. Y'en a pas ici? Non, y'en a pas là. Y'en a pas ici. Ah. C'est bon. On a terminé le niveau à 100%. Oula, 18 minutes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la plaine automnale. Et bien sûr, on va se quitter là. C'est pas drôle sinon. Apprécies-tu le mode de caméra? Allez, on s'en fout du mode de caméra. Non, allez. Je m'en fous. J'ai ma faim, moi j'ai faim. Allez, on a presque plus rien. L'affaire dans la forêt d'été. Juste pas récupérer les dernières boules, mais c'est tout. Enfin, les dernières boules des niveaux. À part ça, c'est tout. Allez. Elle est pas où déjà, là? Le cachot de Cruche. C'est pas où le cachot de Cruche, s'il vous plaît? Il est peut-être par là. Non. Il n'est pas par là. Je sais où on pourra retourner. Allez. Le plongeon de la mort. C'est où? C'est là. Ah voilà. Eh. Plaine automnale. Et ben c'est parti. Allez, retourne à la plaine automnale. Et nous sommes à 20 minutes de vidéo.
Alors au début, nous avons battu Kruche. Parce que je sais plus quoi dire là. Et donc bien sûr, on va se quitter ici. Alors merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et à mon compte Twitter également. Mettez un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à regarder les précédents épisodes. Oula, chez vous, ok. Et je vous dis à plus tout le monde!